tout de suite après au fin assassiner Jovenel Moïse, moi t'ai invité FBI venir dans dossier. C'est ça que fait. Pas qu'à des manipulations justice haïtienne. Nous connaissons nous tous que la justice haïtienne n'a rien toute faiblesse. Nous connaissons monde qui gagne l'argent yo, veulent mettre justice là sous coupe réglée. Nous connaissons que monde qui gagne en pile l'argent yo, t'a souhaité que c'est Claude Joseph qui c'est véritable combattant pour justice pour le président Jovenel Moïse là, et bien c'est lui-même qui vous a inculpé, c'est lui-même qui vous a paraît bourreau. C'est bien compté, mal calculé. Peuple haïtien, yo comprendre, yo ouais, bataille qu'a fait là, c'est pas une bataille qui jouette, parce que Jovenel Moïse a été assassiné pour ses idées. Jovenel Moïse a été assassiné pour son combat. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il était voulu permettre population haïtienne de vivre des jours meilleurs. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, dans le parti politique aidé, qui travaille pour organiser le parti dans tout le pays, nous faisons évidemment la bataille pour justice Jovenel Moïse là en priorité. Parce que même Jean OEA dit dans un communiqué qui sortit 8 août 2022, pas qu'à gagner entente et harmonie dans le pays, tout autant question justice pour le président Jovenel Moïse là pas réglé. En d'autres termes, la question de justice pour le président Jovenel Moïse sont préalables à tout accord politique, à toute entente politique. Nous-mêmes, c'est ça nous demander sous table négociation. Nous demander si le juge l'a invité ou faut qu'on vienne sous page 1 et 1 avec assassinat, faut qu'on vienne. Nous demander personne ne pas cacher derrière pouvoir pour entraver la justice et faire obstruction avec la justice. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous croyons que le président Jovenel Moïse a besoin de justice. La démarche, elle est politique. C'est ça que fait nous-mêmes, dans le niveau parti politique, aider. Sous table de négociation, nous engageons. Nous, aujourd'hui, nous supposons m'être rencontré avec éminente personnalité CARICOM. Drôle de coïncidence, moi là, dans le cabinet d'instruction. Et nous connaissons que aider est resté fidèle à sa position en dans négociation. Est-ce qu'on reçoit une invitation? Donc, moi, après être disponible, chaque fois que le juge l'a invité, pour moi, venir. Sauf que, nous restons également vigilants, parce que nous connaissons en pile tentative pour intimider, pour manipuler la justice, de telle sorte que c'est les amis, les proches, famille, président Jovenel Moïse, qui passait comme victime et que Bouroyo qui a vaqué librement activité. Yo assassiné président Jovenel Moïse dans résidence de la Caille. 29 mois après, moi-même là, juge d'instruction invité, de toute façon. Nous connaissons en politique que coïncidence ça va exister, c'est une coïncidence bizarre. Mais quel que soit le jour, quel que soit l'heure, le juge d'instruction invité m'a venu. Parce que évidemment, si le juge d'instruction a un cordelier dans la main, si il y a un assassin qui est en prison, si il y a un rapport très méticuleux que DCPJ fait, c'est grâce à leadership moins 72 heures après assassinat président Jovenel Moïse. C'est parce que on était décrété dans le pays à état de siège qui fait que nous avons arrêté assassin. C'est parce que en tant que premier ministre, on pas entravé travail DCPJA qui fait que nous capable gagner véritablement un rapport dans dimension que de bonne facture que DCPJ fait. Nous passons savoir que assassins, criminels, oligarques qui touillaient assassiné président Jovenel Moïse pour l'idée, ils ont souhaité ces gens qui a demandé justice, ces gens qui proches, ces gens qui victimes qui tournaient bourreau. Mais c'est bien compté, mal calculé. Parfois c'est bien compté, mal calculé, sous ces bourreaux, ou bourreaux. Parce que bataille là pour camper. Merci.
Baudouin. Au niveau international, les États-Unis sont très avancés en ce sens que il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont jugés, qui sont condamnés. Mais en Haïti, ça traîne encore. Ça traîne dans la mesure où nous avons une justice qui n'a pas fonctionné. Nous avons aussi ce qu'on appelle le règne de l'impunité. À savoir, les gens qui peut-être, je dis bien peut-être, pas proche du pouvoir, qui dévoilent la relation avec le pouvoir, t'as capable d'empêcher l'enquête d'aller avancer. Nous-mêmes, nous sommes là comme avocat avec client nous, qui a répondu à l'invitation et qui a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Il sera toujours disponible. Cela n'empêche quand même que de constater que le dossier traîne, n'avance pas. Nous souhaitons que dans les jours, mois à venir, nous sommes capables d'être plus concret. Cela veut dire quoi? Des gens qui sont capables d'impliquer suivant le rapport dressé par la DCPJ, nous avons non seulement arrêté à la prison, et les gens qui sont en prison dans le pays, il y a jusqu'à présent, ils ont propos véritablement tendu. Donc la justice haïtienne, nous comprenons, ça traîne, ça n'avance pas. Nous souhaitons que pour ne pas gagner dilatoire qu'a fait. C'est-à-dire que inviter juste pour inviter, mais il faut voir le concret, c'est-à-dire des gens qui ont implication, qui effectivement ont tendu, qui ont procédé à l'arrestation, qui ont jugé, qui ont condamné. Voilà. Et ça, il y a fait partie de partis politiques qui a rencontré ensemble. Solution à la crise là. Donc, oui, en d'autres termes, nous, à répondre à une question. Bien, invitation, si vous voulez, des éminentes personnalités de la CARICOM et n'a été fidèle à notre position que nous tous dans la presse, tous citoyens dans le pays, on est déjà. Merci à tous.